méthode de voyage astral numéro 10, méditation voyage astral au fond de l'océan. Vous vous allongez dans une posture confortable, favorable à la détente et à la relaxation profonde. Les paupières closes, les bras le long du corps. Préparez-vous à une exploration astrale tout à fait passionnante. Vous prenez plusieurs respirations amples, profondes, afin de commencer à vous détendre. Maintenant, vous soulevez légèrement la jambe gauche, puis vous la laissez retomber. La jambe gauche parfaitement détendue. Puis vous soulevez légèrement la jambe droite. Vous la laissez retomber. La jambe droite parfaitement détendue. Puis vous soulevez légèrement le bras gauche, vous le laissez retomber, le bras gauche totalement détendu. Ensuite, vous soulevez légèrement le bras droit. Vous le laissez retomber. Le bras droit parfaitement détendu. Maintenant, vous soulevez légèrement la tête. Vous la laissez retomber. Les épaules, le cou et la tête parfaitement détendus. Puis maintenant, vous soulevez légèrement les deux jambes, vous les laissez retomber, les deux jambes parfaitement détendues. Vous soulevez légèrement les deux bras. Vous les laissez retomber. Les deux bras parfaitement détendus. Vous soulevez légèrement la tête. Vous la laissez retomber, la tête parfaitement détendue. Puis vous allez soulever en même temps les deux jambes, les deux bras et la tête. Vous les soulevez légèrement. Vous les laissez retomber, tout votre corps
et parfaitement détendu. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer l'atmosphère qui vous entoure, légèrement colorée d'une énergie. On pourrait dire un prana de couleur verte claire, un peu phosphorescente. Voyez, sentez ce prana vert phosphorescent qui vous entoure. À chacune de vos inspirations, vous absorbez ce prana, cette énergie verte phosphorescente, par votre nombril. À chacune de vos expirations, vous rayonnez ce prana à partir de votre nombril dans tout votre corps. Inspiration du prana dans votre nombril. Expiration, voyez, sentez le prana vert phosphorescent qui se répand dans le ventre. À chacune de vos expirations, le prana vert phosphorescent se répand de plus en plus loin dans votre corps, le ventre, puis la poitrine et le bassin tout entier, puis les cuisses et les épaules, puis les mollets, les bras et le cou. Enfin, voyez, sentez le prana vert phosphorescent se répandre dans les pieds, jusqu'au bout des orteils, les mains jusqu'au bout des doigts, le visage jusqu'au sommet du crâne. Voyez cela, vivez cela. Vous êtes vibrant d'énergie verte phosphorescente. Entouré d'une aura protectrice vert phosphorescente, ainsi vous vous sentez protégé de toute négativité. Vous êtes dans un corps vert phosphorescent.
Vous laissez votre respiration aller à son rythme naturel, vous ne vous en préoccupez plus. Vous êtes un corps de lumière vert phosphorescent et vous faites la planche sur l'océan. Laissez porter au rythme des vagues qui vous font onduler, libérés de toute pesanteur. Vous vous sentez bien, très bien. Léger, vous sentant porté, bercé par le rythme des vagues qui montent et descendent, remontent et redescendent. Laissez bercer. Vous vous laissez osciller agréablement, confortablement, dans une sensation agréable d'apesanteur. Puis vous vous concentrez sur votre nombril, ressentant comme une bulle d'énergie en cet endroit. Voyez, ressentez cette bulle d'énergie dans votre nombril. Vous prenez de plus en plus conscience de cette bulle d'énergie qui brille dans votre nombril, une bulle rayonnante de couleur bleu ciel. Vous avez de plus en plus l'impression que votre conscience se loge dans cette bulle d'énergie. De fait, vous êtes maintenant situé dans cette bulle d'énergie dans votre nombril. Puis, en tant que bulle d'énergie dans votre nombril, vous tournez de plus en plus vite. De plus en plus vite, encore plus vite. Et bientôt la rotation atteint un maximum de vitesse, un maximum de vitesse, dans un tourbillonnement d'étincelles. Et vous vous élevez dans l'atmosphère au-dessus de l'océan, vous survolez l'océan très rapidement. Vous volez au-dessus de l'océan à une dizaine de mètres d'altitude. L'atmosphère autour de vous est agréable, percevant les reflets du soleil sur l'eau.
puis vous décidez d'aller voir ce qui se trouve au fond de l'océan. Vous plongez dans l'eau. Vous n'avez rien à craindre, pas besoin de savoir nager, vous êtes encore astral. Vous êtes tout d'abord proche de la surface, apercevant quelques joyeux dauphins, puis des bancs de poissons. Vous décidez d'aller voir plus en profondeur, encore astral. Vous avez toujours de la lumière autour de vous, qui vous permet de voir précisément votre environnement. Vous vous dirigez dans les profondeurs, voyant les poissons des grands fonds, des baleines, puis les calmars géants. Puis des poissons phosphorescents qui produisent leur propre éclairage. Puis vous vous dirigez au-dessus de fosses marines dans les grands fonds, les fosses abyssales de plus de 10 000 mètres de profondeur. Là règne une atmosphère de paix et de tranquillité majestueuse. Ceci vous fait grand bien. Vous vous en imprégnez. Puis, poussé par votre curiosité naturelle, vous décidez de rechercher des restes d'anciennes civilisations englouties sous les eaux, il y a des milliers d'années. Vous vous sentez attiré automatiquement vers ces fonds marins. Et bientôt, vous percevez parfois recouverts d'algues, d'anciens monuments, des routes, des murs, et bien d'autres choses encore. Voyez cela, sentez cela. Je vous laisse quelques minutes pour explorer ces ruines sous-marines très anciennes.
Puis, après avoir exploré les restes de ces anciens vestiges, vous décidez de ressortir au-dessus de l'océan pour bien repérer la localisation géographique de ces anciens vestiges. Vous regardez bien où se situe cet emplacement par rapport aux îles et continents avoisinants. Puis vous décidez de replonger sous les eaux et d'aller à la recherche de bancs de baleines. Bientôt, vous en découvrez un. N'y a-t-il d'autres créatures autour de ces baleines? Regardez-y de plus près. Puis vous décidez de revenir à votre corps physique. Vous ressortez de l'océan et survolez les flots avec une impression de légèreté et liberté extraordinaire. Bientôt, vous survolez la côte française, puis les villes et les campagnes en dessous de vous. Tout cela défile très rapidement en dessous de vous. Bientôt, vous regagnez l'endroit dans lequel se repose votre corps physique. Vous avez l'impression d'être aspiré par le nombril de votre corps physique. Vous ressentez votre corps physique, votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds. Vous pouvez vous étirer et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée.